Que sont devenus ces gens? Et pourquoi ont-ils disparu? On dirait un monde d'absents au rendez-vous de chaque rue. Tendrement, violemment, comment voulez-vous vous aimer? Faut-il échanger son sang ou jouer à s'enlacer? Pendant plus de 1000 ans, pendant plus de 1000 ans, les films nous apprennent à vivre en couleur, en noir et blanc, comme une existence à suivre, quelquefois parallèlement. On s'identifie à quelqu'un sur un écran. Fontaine dans la nuit romaine, jusqu'aux eaux grises de la Seine, nous sommes de plus en plus rares, une espèce en voie de disparition, des animaux au désespoir. Coupé, moteur, action. Des animaux au désespoir. Coupé, moteur, action. Dans la lumière d'un faux soir, cette errance vue de tôt. Jean-Pierre Léo. Simple et compliqué, si étrangement beau. Dans les années 60, dans les années 60, tu me fais penser Jean-Pierre Léo, poursuivant de près son désir aussitôt à sa mèche d'enfant sage, ses yeux presque statiques posés sur un visage. Son discours mécanique, étudiant à plein temps, des jeunes filles ou des femmes, doux rêveurs insolents, captifs d'un jeu de dames. Prêt à la rencontre, amoureux obstiné, regardant à sa montre,
17h aux Fleurs ou déjà au Luxembourg, à la recherche d'un corps, au pire, un peu d'amour. Au pire, un peu d'amour. Tu me fais penser à Jean-Pierre Léo dans les années 60, à Saint-Germain-des-Prés, à la liberté nonchalante des années